Calcule la longueur d'un pendule circulaire dont la période est de 1 seconde. Comme donné, nous avons juste la période d'oscillation grand T de 1 seconde. Ce que nous cherchons, c'est cette longueur grand L du pendule circulaire, longueur que nous exprimerons par exemple en mètres. Et pour trouver cette longueur, nous avons à notre disposition la formule du pendule circulaire. Mais pour l'appliquer, nous avons besoin de la valeur de petit g, l'accélération de pesanteur. Pour nous, elle vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Si t est égal à 2 pi fois cette racine carrée, c'est que t divisé par 2 pi est égal à cette racine carrée. Et en élevant les deux membres au carré, nous trouvons que le carré de t sur 2 pi est égal à L sur g. Et par conséquent, L est égal à g fois le carré de t sur 2 pi. Nous remplaçons le g par 9,81 et le t par 1. Et c'est ainsi que nous trouvons comme longueur du pendule 0,248 mètres. La réponse finale, c'est donc que la longueur L du pendule vaut à peu près 24,8 cm. La tâche est ainsi terminée, mais formulons une petite remarque. Cette formule du pendule circulaire est vérifiée si T vaut 1 et L vaut 0,248, donc comme ceci. Et de cette égalité-là, nous déduisons que g est égal à 0,248 fois 4 pi au carré, ce qui signifie que g est à peu près égal à pi au carré. Ça, c'est remarquable que l'accélération de pesanteur petit g soit justement égale à pi au carré, à peu près. Et c'est vrai, puisque g vaut 9,81, et pi au carré vaut 9,87.